Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le sourire, oui, parce que vous le voyez bien, on est dans Liberty. Donc Liberty, pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, c'est notre camping-car qui nous permet d'aller en vacances en week-end. Et puis voilà, Jérôme il est avec nous. Coucou tout le monde. On a un soleil de fou. On a je sais plus combien de degrés. Je sais pas, il doit faire 20 degrés, il doit faire 25 degrés je pense, parce qu'il fait chaud. Ah, il y a le thermomètre. Ah, 34. Ah, je suis loin. 34 degrés les amis. Donc bon ben là on est sur la route. On est où là? Je sais même pas où on est. Ouais. Alors là, il nous reste 167 km. 167 km. Donc là où on va, c'est simple. On va chez le Goa à l'improviste. C'est ça. Et beaucoup. Il y a personne qui le sait, ça sera une grande surprise. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais alors vous venez chez le Gaulois, parce que le Gaulois, c'est des amis à nous qui vont bientôt être nomades dans peu de temps. Je pense que c'est le 15 juillet qui s'en vont. Ouais. Et du ils coup, ouais, ils ont une chaîne YouTube, le Gaulois. Et ça en famille. Ils ont fait une musique trop trop belle. J'espère qu'ils pourront la rechanter. Et ils bon, partent avec Obélix. C'est leur bus. Ouais, on va vous expliquer tout ça parce qu'il y en a, ils vont arriver sur cette vidéo, ils vont rien comprendre. Mais on va vous expliquer tout ça en détail quand on sera arrivé chez eux, parce que là on est sur la route. Ouais. Là il nous reste 156 km, c'est ça hein? Ouais. Ouais, c'est ça, je pensais que c'était un peu plus. Et ben on roule bien, il n'y a pas trop de monde sur les routes, donc ça va. Franchement, c'est top. Les enfants sont avec nous et puis on vous emmène alors chez le Gaulois à l'improviste et puis on vous expliquera tout en détail qui sont cette famille. Jérôme, on continue la route. On est bientôt arrivé. Jérôme est concentré parce qu'on a une route de forêt. Donc on est bientôt arrivé. On a hâte de leur faire la surprise. On a sorti notre petit Anafi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un drone. Et on va leur faire la surprise. On vous balance les images. Voilà, on a été accueilli par ce charmant jeune homme que je sais pas comment Kevin. Il s'appelle. Bah Kevin. On arrête pas de me griller avec la vidéo du Gaulois. Enchanté Kevin. Là on vient d'arriver chez le Gaulois. En mode surprise mais pas totalement parce qu'en fait Sam et Lindsay ils sont partis avant nous. Donc on espère qu'au moins ma copine elle va pouvoir avoir l'effet de surprise. Bon, il y a Mano avec nous. Très content de les retrouver. Bon, toujours à l'apéro ici. On en foire. Mais Kibla. Franchement, ça me fait plaisir. On pouvait pas rester chez nous quand même. Fallait bien se faire un week-end avec ce Gaulois. Ah ouais, bah ouais, carrément. Voilà. T'es content? Ah mais carrément, vous êtes trop bien. Moi j'adore parce que les gens viennent avec leur cœur quoi. C'est-à-dire qu'en gros moi je m'en fous qu'il vient pas, tu vois. Mais quand je vois des gens qui font l'effort de venir, attends, ça veut dire qu'ils ont envie de venir. Comme si, mon amant, c'est ça qui est génial. Monde, du coup. Tiens, ouais, il y a tout le monde, c'est trop bien. Bon, on est trop contents. Tout à l'heure, je vois le drone et tout, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a qui le drone et tout? Je voyais personne. Ici,
Et la petite copine en quinte. Il y a trop de gens qui ont des cœurs. Il y a tout le monde qui est là ici avec nous, c'est trop bien. Il me semblait qu'il m'avait dit que vous pouviez pas venir. Bah si quand même. Comme si qu'on allait pas venir. T'es faire un hey, coucou, Sabrina elle est là. Oh Pascal. Jeff. Ah oui. Non t'es là Jeff. Oui. Ça va? Et toi? Eh ben ouais, vous arrivez, voilà, ouais, vous arrivez à la en cachette. Vous êtes content? Bah oui. Bon, tant mieux, nous aussi on est content. Salut. Enchanté. Ça va, c'est Jérém. Salut. Ça va? Et toi? Salut. Je savais. Très content de voir nos amis. Je le savais qu'elle allait venir, on était sûr. Ça va? Comme si que j'allais pas venir. Ah putain, t'es trop chiant. Ah, ma porte de garage, elle est dans le camping-car. Putain, oh. C'est qu'on allait à la douche avec Jérém. Et puis, Jérém, il voit. Il fait son anafi, ça. Ah bon, c'est super. Il me dit, il n'y a que Jérôme de la Fun Family qui a un anafi comme ça. Coucou les amis, on est le lendemain, on a trop bien dormi, c'était trop bien. On est chez le Gaulois et il est 9h30, je viens de me réveiller avec Sam. Qui est juste ici. Et coucou Sam. Il a déjeuné, voilà, on a ramené des petits pains, des croissants, on a pris du chocolat, du beurre de cacahuète. On est réveillé, mis à part Jérôme, il sait qu'il faut encore dodo derrière. Donc là on déjeune et puis on va aller rejoindre tout le monde tout à l'heure. Voilà, moi j'ai un petit montage à faire, là je suis en train de charger mon ordi. Et puis voilà, on se réveille tout doucement, c'est calme, personne n'est réveillé. Il doit sûrement y avoir des gens, mais bon, nous on déjeune pour l'instant, puis on vous emmène tout à l'heure. Bon les loulous, là on vous reprend en fin de soirée, il a fait extrêmement chaud. C'était pas loin des 39 degrés, moi j'avais vraiment beaucoup trop chaud, j'ai pris au moins deux douches là dans le camping-car. On a commencé, bah, j'ai fait le montage en fait, puis c'était repos, repos, repos. Avec tous vos commentaires pour se reposer, ça nous a motivé à venir ici chez le Gaulois, on est trop bien installés. Et puis on est entouré de plein d'amis, une bonne communauté. Hein. Donc là, voilà, là il est, je sais pas quelle heure, je crois qu'il est 20h. J'ai fait à manger, regardez, j'ai préparé mon petit panier. J'ai pris avec moi tout le nécessaire. J'espère qu'elle a pas coulé ma sauce. C'est une sauce asiatique, elle est vraiment trop bonne. Et puis là, j'ai préparé des tomates, salade, j'ai pris mes assiettes, mon petit magie, ma baguette. J'ai pris du maïs, tiens, picard. J'ai trouvé du maïs, donc on va le faire griller tout à l'heure. Et là, j'ai cuit des pâtes. Voilà. Puis là, on est en train de tout fermer. Bah non, j'avais fermé. On va refermer les fenêtres. Voilà. Parce que là, on va partir rejoindre tout le monde. Et Jérôme, il vient de faire un foot là. Il est essoufflé. Avec la chafleur. La chafleur. N'importe. La chaleur. Bah attends, et on va vous montrer combien il indique le thermomètre. Il indique 36, qui fait encore à 20h du soir. Donc, chaleur, chaleur. Donc voilà, moi je prévois parce que comme on va partir, en fait, Bruno, il a installé avec Sabrina un grand hangar. Moi, j'ai pris ma petite, comme elle dirait Janine, ma petite jaquette. C'est mon nouveau pull que vous avez vu sur l'avant-dernière vidéo. Il est trop bien parce que quand il fait pas trop froid, je peux le mettre et quand il fait encore un petit peu, bon, bah c'est pas non plus trop chaud. Donc, enfin bref, on s'en fout. Donc là je vais prendre mes pâtes, mon petit panier et on va aller manger et rejoindre tout le monde. Donc là on est installé ici, ils ont prévu de faire un feu de camp. Moi, j'espère que ça va pas trop déborder sur le terrain, on verra. Il y a quelques camping-cars, quelques caravanes, il y a même une tente qui vient d'arriver là en fin d'après-midi. Et nous on est installé juste ici, là il y a des petites caravanes. Un camping-car, encore un ici. Il y a des gens qui sont venus en voiture. Genre, on m'a pris ses pâtes. On va les manger tièdes parce que je viens de les cuire. Et puis, on a pris la viande parce que bah, le Gaulois nous a demandé de ramener de la viande. Il a ramené des barbecues. Franchement, ils sont top. On va pouvoir faire griller tout ça. On va se régaler ce soir. On a envie de rester plus longtemps, mais il faut déjà repartir demain. Lundi, on travaille. Ça y est, tous les amis, ils sont ici. Ça va? Ça bronze, il fait meilleur. C'est gênant et quand je fume. Il y a un monde de malades, beaucoup d'enfants, plein de jeux et des piscines. Et là voici le hangar que propose le Gaulois avec tout le monde, regardez-moi ça.
une table, il y avait encore personne. Et regardez tout le monde qu'il y a. Et là, ils ont mis des barbecues. Ça va être super. Là, on va commencer à mettre à chauffer parce qu'on a faim. Hein. Les gens, ils sont à l'apéro, mais nous, il n'y a pas d'apéro. Hein. L'apéro, il était à 15h. Des Gaulois, écoutez les paroles et franchement reprenez tous en cœur, ouais. Ça me fera plaisir. Merci à tous d'être là parce que c'est important, franchement, c'est important. Ce qui est très important, c'est que beaucoup de personnes différentes se réunissent et se s'imbriquent ensemble. Voilà, donc avec juste. Franchement, super, merci.
l'école de la vie. Bye la Normandie et tous leurs amis. Ça déchire les cœurs, c'est pour leur bonheur. Après d'autres. Hop hop hop. Et pour les Gaulois. Ouais. Pour les Gaulois. Ouais. C'est bon Jeff. 1920 nos amis. Et Pascal. Le retour. Oh là là, ça passe trop vite. Donc tout le monde s'en va, là on vient de se réveiller. Voilà, c'est les arbres. C'est tout ce qu'on aime pas. Mais bon. D'amour. Au revoir tout le monde. Gamora. Allez mec, regarde, la famille elle est au complet ici. Bisous ma chérie. Au revoir les cas. Ça y est, les vadiques sont bons. Bon ben bah, bonne route hein. À bientôt, bisous. Find me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things, but the lines we've drawn. Ça y est, nos amis nous ont quittés. Oh là là, c'est dur. C'est pas évident. T'es triste, toutes tes copines sont parties, Lucie, tout ça. Bah ouais, je sais. Bon, une prochaine fois. You don't say it to my face though. Just say it to my face. Commence à dire au revoir. Commencez par Eric. Super sympa. Ouais. Avec qui on a mangé hier au barbecue. Ça va? Ouais, ça va. Pardon. Ça va? Vous êtes bien éclatés? Ah ouais. Ouais, bon bah voilà. Ça, ça sort du cœur. Bon, on continue notre tournée de au revoir. Jérôme, on a s'endormi à quelle heure? 3h30. Ouais, 16h30. Super tard, non, c'est trop bien éclaté. Ouais. Hey! Liberty Road! Ça y est, vous partez? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Vous restez là, vous avez bon, on va faire un bisou à tout le monde.